Ouais, Rocket, partie 2. C'est un petit vidéo pour vous montrer l'avancement que j'ai avec mon poids. Ceux qui ont vu partie 1, ici vous voyez le Rising Tube, il y a un tuyau à l'intérieur, c'est l'entrée d'air. Excusez pour le bruit, c'est très pesant. Et puis, j'ai soudé les pattes aujourd'hui. J'ai fabriqué la porte. Et ici, il y a une entrée d'air qui est ajustable pour l'entrée primaire avec un petit... je vais vous montrer la fermeture et l'ouverture. Ici, j'ai eu un commentaire. Puis, c'est la brique pour rentrer à l'intérieur. Puis ça va rapetisser le... Il va y avoir de la brique réfractaire à l'intérieur du poêle. Et puis ici, au fond, vous pouvez voir l'entrée d'air. Et la porte ici ferme comme ceci. Et... j'ai réussi à fabriquer ceci. Il reste seulement les briques fragmentaires à découper et sabler et peinturer le poêle. Je vais peut-être rajouter à l'arrière ici une pièce de métal dans le bas parce que le poêle est peu renversé. Empêcher de renverser, c'est très pesant. Alors, c'est ça le poêle en dessous ici. Je sais pas si je vais pouvoir montrer avec la caméra. Ici, il y a une entrée d'air. Il va y avoir cette pièce coulisse. Je vais essayer de fabriquer en dessous un mécanisme que j'ai pas allé là. Tout le temps. Et c'est ça le poêle. Partie 2. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser. Et des questions aussi. Merci de regarder.